écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Le rendez-vous de l'édition du soir avec vous, Sophie Saouli, voici les titres. Chargé par le président de la République, le ministre des Affaires étrangères à Jeddah en Arabie Saoudite, Ahmed Attaf, prendra part demain à la réunion extraordinaire des chefs de la diplomatie de l'OCI sur la situation à Gaza. Au deuxième jour de sa visite officielle au Qatar, le chef d'état-major de l'ANP, le général d'armée Saïd Chengriha, a pris part aujourd'hui à l'ouverture de l'exposition et la conférence internationale de défense maritime d'IMDEX 2024. Saïd Chengriha qui s'est entretenu la veille avec le vice-premier ministre et ministre de la Défense qatari. L'Algérie qui appelle la communauté internationale à mettre fin à l'occupation des territoires palestiniens et sahraouis, appelle du représentant algérien aux Nations Unies à Genève. À New York, l'Assemblée générale de l'ONU est réunie aujourd'hui sur le veto américain de la dernière résolution algérienne pour un cessez-le-feu à Gaza. On fera le point également sur le terrain. Dossier Ramadan à quelques jours de l'entame du mois sacré avec ce versement des allocations de solidarité aux familles nécessiteuses, l'action du Croissant Rouge algérien et on zoomera sur la campagne contre le gaspillage récurrent durant Ramadan. Après la signature de son contrat, Vladimir Petkovic, le nouvel entraîneur des Verts, s'est exprimé aujourd'hui en conférence de presse, une première sortie médiatique lors de laquelle il a affiché ses ambitions. Et puis cette avant-première du film consacré au martyr l'Arbi Ben Mehdi, elle aura lieu dans quelques instants à l'Opéra d'Alger. Mesdames, Messieurs, bonsoir. En le disant en titre chargé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, est arrivé aujourd'hui à Jeddah, au Royaume d'Arabie Saoudite, et ce pour participer dès demain à une réunion extraordinaire du Conseil des ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'Organisation de la coopération islamique, réunion sur le développement de l'agression de l'entité sioniste incessante contre la bande de Gaza et l'examen des voies et moyens susceptibles de permettre à l'OCI de renforcer ses efforts et contribuer ainsi effectivement et efficacement à mettre un terme à la guerre génocidaire sioniste contre le peuple palestinien. Pour Attaf, ça sera une occasion de réaffirmer le soutien constant de l'Algérie à la cause palestinienne et son engagement immuable à poursuivre ses efforts et démarches pour amener le Conseil de sécurité de l'ONU à assumer ses responsabilités à l'égard du peuple palestinien. Attaf qui aura des rencontres bilatérales avec le secrétaire général de l'OCI, mais aussi avec un certain nombre de ses homologues. On reviendra justement sur l'action de l'Algérie à l'ONU, notamment sur la question palestinienne, mais pas que, ça sera dans quelques instants. Direction avant cela, le Qatar, au deuxième jour de sa visite officielle, le chef d'état-major de l'ANP, le général d'armée Saïd Chengriha, a pris part aujourd'hui à la cérémonie d'inauguration officielle de la 8e édition de l'exposition et la conférence internationale de défense maritime d'IMDEX 2024. Il a ainsi visité quelques pavillons de cette exposition avec la délégation qui l'accompagne. Saïd Chengriha y a rencontré son homologue qatari et discuté de la coopération militaire bilatérale. Il a mis en perspective son développement pour la porter au niveau d'excellence qui caractérise les relations entre les deux pays. La veille, hier soir, le chef d'état-major de l'ANP a été reçu par le vice-premier ministre, ministre d'état des affaires de défense qatari, Khaled Ben Mohamed El Atiyeh. Lors de ces entretiens, Saïd Chengriha a mis l'accent sur l'importance accordée par le président de la République au renforcement des liens de fraternité entre les deux peuples. Le général d'armée Saïd Chengriha a réitéré son engagement à promouvoir et renforcer la coopération militaire bilatérale. إننا نحرص على أن يكون هذا اللقاء مناسبة متجددة. Nous tenons à ce que cette rencontre soit une occasion renouvelée que nous saisissons pour examiner les différents domaines de coopération militaire unissant nos armées. Cette coopération que nous voulons renforcer grâce aux soins attentifs et constants des dirigeants des deux pays et à leur engagement partagé à la promouvoir de plus en plus et à la porter à son plein potentiel. De son côté, Khaled Ben Mohamed El Atiyeh, vice-premier ministre et ministre de la Défense qatari, a souligné la qualité des relations entre les deux pays et salué le président de la République. Je remercie le président Abdelmadjid Tebboune qui nous a soutenus dans tous les secteurs et l'armée nationale n'a pas lésiné avec nous en matière de formation et d'expertise dans nombreux domaines.
En retour à cette information, on le disait tout à l'heure, les efforts de l'Algérie au niveau des Nations Unies pour défendre les questions des peuples opprimés, l'Algérie qui exhorte la communauté internationale à faire pression pour mettre fin à l'occupation sioniste et marocaine des territoires palestiniens et sahraouis occupés, les deux occupants qui violent les droits de l'homme et le droit humanitaire international, un appel contenu dans l'allocution du représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies à Genève, Rachid Beledhan, lors du débat sur le dernier rapport du haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. L'ONU est, après le veto américain de la résolution algérienne pour un cessez-le-feu à New York, l'Assemblée générale de l'ONU se réunit en ce moment même pour examiner cette démarche conformément aux règles régissant les relations avec le Conseil de sécurité. Dans son allocution, le président de l'Assemblée générale de Nice, Francis, a qualifié la situation à Gaza de catastrophique et inimaginable, exprimant ainsi sa consternation après le massacre sioniste de réfugiés palestiniens lors de l'arrivée d'aide humanitaire. La communauté internationale qui a échoué jusque-là à faire pression sur l'entité sioniste, Inès Abdelazer, juriste palestinienne, en parle depuis Ramallah. Depuis plus de 75 ans d'existence de l'ONU et de la question de la Palestine à l'ONU, les US ont mis leur veto sur des dizaines et des dizaines de résolutions. Même quand ils ne mettent pas leur veto et qu'ils s'abstiennent, c'est uniquement parce que les textes des résolutions sont complètement édulcorés et leurs demandes sont tellement édulcorées qu'il n'y a pas besoin d'un veto. Mais la seule résolution des Nations Unies qui n'a pas été veto par les États-Unis, la résolution 2334, qui demandait notamment, par exemple, des sanctions, ou en tout cas pour les États membres, de faire respecter le fait que les colonies sont illégales en Cisjordanie, n'a jamais été appliquée. Oui. Donc, encore une fois, on ne peut pas vraiment beaucoup attendre de ces États qui continuent à finalement être complices de la politique israélienne. Sur le terrain, la situation reste insoutenable. Les raids font des victimes encore aujourd'hui, des martyrs par dizaines dans l'ensemble de la bande de Gaza, notamment dans le sud où la famine règne. Le point avec Ahmad Abouchaouich, le journaliste palestinien, il en parle à Linda Ahmed. Il y a des milliers de déplacés dans divers endroits de la bande de Gaza, même si le plus grand nombre se trouve à Rafah à présent, avec 1,7 million de réfugiés. Parmi eux, beaucoup de martyrs, cibles de raids ou encore de faim et de froid. Dans le nord, il n'y a plus rien, pas de nourriture et pas d'eau, malheureusement. Les habitants qui sont restés sur place subissent. Leur nombre dépasse les 600 000. L'entité sioniste ne parle pas de leur nombre, car cela démontre son échec dans l'évacuation de cette région et d'ébranler la résistance. Entre-temps, il y a eu cette reprise des négociations au Caire aujourd'hui pour obtenir un cessez-le-feu ou encore une trêve à Gaza. Des négociations qui vont se tenir au lendemain d'un appel de la vice-présidente américaine Kamala Harris à un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza, menacée, là où vous l'entendez, à travers les témoignages de famine. On le disait tout à l'heure, l'Algérie, depuis la tribune onusienne de Genève, a appelé à mettre un terme à la colonisation par le Maroc du Sahara occidental occupé. Sur place, des militants ont été conviés pour évoquer leur vécu, marqué par la répression continue de l'occupant marocain. Parmi eux, il y avait El Ralia Ghimi, membre fondatrice de l'ISACOM. Elle est contactée par Kalima Hassinaoui. Nous avons assisté à un panel très important, étatique, organisé par le Geneva Group, qui soutient la cause sahraoui, le peuple sahraoui. C'était très important, avec la présence de beaucoup de pays qui ont écouté les différents panélistes sur les ressources naturelles, sur le statut juridique de la cause. Un autre panel de la société civile où je suis intervenue avec mon collègue Hassan Abbas, lui sur la situation des prisonniers politiques, et aussi avec la participation d'une militante, une collègue palestinienne sur la situation en Palestine. Le droit de ces deux peuples sous occupation, le peuple palestinien et le peuple sahraoui, ont le même droit à l'autodétermination d'après tous les pactes de droits de l'homme, que ce soit le droit international humanitaire et le droit international de droits de l'homme.
Et les unités de l'armée de libération sahraoui qui ont mené de nouvelles attaques contre les retranchements des forces d'occupation marocaines dans la région de Los Sabti, dans le secteur de Mahbès, leur ont ainsi infligé de lourdes pertes humaines et matérielles. Au Maroc, où la contestation populaire ne faiblit pas, les protestations s'enchaînent, les syndicats de l'éducation maintiennent leur pression contre le gouvernement Hanouche. Un appel d'un mouvement d'envergure est lancé pour le 8 mars prochain. Retour à l'actualité nationale en état quelques jours du mois sacré de Ramadan. La solidarité se met en branle, comme à l'accoutumée, à l'adresse des moins nantis d'entre nous. C'est ainsi que les allocations de solidarité ont été versées depuis la semaine dernière, parvenues d'ores et déjà aux intéressés Ibtihal Hatoun. Les communes, en collaboration avec les services des activités sociales, ont déjà procédé depuis mardi au versement de l'allocation de solidarité estimée à 10 000 dinars, une initiative visant à soutenir les familles nécessiteuses pendant le mois sacré. Pour rappel, le ministère de l'Intérieur avait annoncé le lancement des inscriptions pour bénéficier de la subvention de solidarité en prévision du mois sacré. Dans ce contexte, les pouvoirs publics ont contrôlé les listes définitives et écarté toutes les personnes ne remplissant pas les conditions pour bénéficier de l'allocation de solidarité afin d'éviter tout déséquilibre aux falsifications des listes. L'exemple de la PC de Ain Benyane où plusieurs bénéficiaires sont concernés, on écoute sa présidente Nassera Boujmil. Nous avons procédé au versement de l'allocation de solidarité. Cela fait déjà une semaine en prévision du mois sacré. Les bénéficiaires sont des familles nécessiteuses et à faible revenu. Cette allocation est versée sur leur compte pour qu'ils puissent subvenir à leurs besoins. La prime de solidarité pour le mois de Ramadan éclaire les foyers des familles nécessiteuses, apportant un élan d'espoir et de soutien au cœur de cette période sacrée. Voilà en ce qui concerne les allocations de solidarité, la solidarité aussi qui s'exprime à travers le croissant rouge algérien, entre remise de colis alimentaires et restaurants Rahma durant le mois sacré, tout un programme sur lequel est revenue sa présidente Ebtissam Hamlaoui, extrait d'un entretien accordé à Hajar Msaouti. On est parti sur la prise en charge de 100 000 familles. Là, on est à 147 000 colis alimentaires qui vont toucher 147 000 familles. On travaille en collaboration étroite avec les wilayas pour éviter un double emploi des aides. Sur un deuxième plan, nous allons installer 250 restaurants du cœur pour Abérissébil et les familles nécessiteuses aussi. On a établi des restos au niveau des postes frontaliers à Soukharaz, à Taref et on attend pour la wilaya de Tébé. Et ça, éventuellement, et l'Oued. On est à 60% des wilayas qui ont déjà bénéficié de leur quota des colis alimentaires et qui ont commencé la distribution avant le mois de Ramadan. On a touché pour la première fois les écoles coraniques et les zaouias. Pratiquement toutes les zaouias sur le territoire national vont bénéficier d'une petite dotation histoire de contribuer à leur effort. Et pour soutenir le pouvoir d'achat des Algériens en ce mois sacré de Ramadan, l'OIC, l'Office interprofessionnel des céréales, a réduit les prix des kilogrammes de légumes secs, une mesure appliquée, expliquée également par Boumediene Amalani, le directeur central à l'OIC. Il est au micro de Mayel Kems. Les prix pratiqués actuellement par l'OIC ont connu une baisse considérable par rapport à l'année dernière. Ce dispositif est mis en œuvre pour répondre aux besoins du consommateur durant toute l'année. À titre d'exemple, pour l'haricot, on a passé à 270 dinars pour l'haricot rouge et 280 dinars pour l'haricot blanc. Le pois chiche, on a trois variétés, voire le petit calibre, le moyen et le grand calibre, qui est à 160, 260 et 360 respectivement. Donc si les prix à l'international connaîtront une baisse, notre part, on va baisser les prix davantage. Et pour éviter tout gaspillage, la sensibilisation des consommateurs durant le mois sacré s'avère nécessaire. À Oran, une campagne est lancée. Mohamed Hamza Belmadani. Une grande campagne de sensibilisation dans le cadre de la lutte contre le gaspillage alimentaire durant le mois de Ramadan a débuté lundi à Oran. Organisée par la direction locale du commerce, cette campagne verra l'organisation de plusieurs activités. Selon Rafir Kroumia, chef de service de la répression de la fraude à la direction du commerce de la wilaya d'Oran. À partir d'aujourd'hui jusqu'à le deuxième jour après l'Aïd Moubarak. La sensibilisation a dit qu'on fait un programme, qu'on a des sorties sur le terrain pour sensibiliser les opérateurs économiques.
public et les consommateurs concernant la lutte contre le gaspillage alimentaire. Il y aura au niveau des sites universitaires pour sensibiliser les gens. Le docteur Hakmi Bouhafs, professeur d'économie à l'université d'Oran, a rappelé que le gaspillage alimentaire touche les produits subventionnés comme le pain, ce qui engendre des pertes colossales pour les caisses de l'État. Il a préconisé dans ce cadre plusieurs solutions pour minimiser ce phénomène, notamment en assurant une bonne gestion des dépenses dans la famille. Les solutions concernent les autorités, les sociétés de production et le citoyen. Il y a des points importants comme la consommation rationnelle. Il y a également le budget familial qui regroupe les dépenses pour les différents produits. Dépenser sans rationalisation n'est pas bien. Le gaspillage peut toujours être évité. La campagne de sensibilisation est organisée également avec la participation de plusieurs secteurs comme l'environnement et les affaires religieuses. Doron Mohamed Hamza Belmadani, Al-Jaychan 3. Oran, justement, où s'est ouvert aujourd'hui le Salon international de l'agroalimentaire, le SIAG, qui présente les meilleurs de ce secteur en Algérie, qui est en plein essor. Explication avec le commissaire du Salon, Mourad Bouatou, toujours au micro de notre correspondant, Hamza Belmadani. C'est la 10e édition. On a intégré les acteurs de la recherche-développement. On a invité les clubs scientifiques pour la robotique. Donc, l'industrie, avec le contexte géopolitique, géoéconomique, il faudrait que l'agroalimentaire, le secteur, ait une nouvelle dynamique. Les 4 ateliers qu'on a programmés, donc il y a l'atelier de l'eau, de l'agriculture, l'atelier des enjeux et des défis de la recherche-développement. Donc, tout ce qui est fait, l'industrie non seulement elle assure la sécurité alimentaire, mais l'énergie solaire, ils vont développer l'agriculture saharienne. Dans l'actualité, cette session de formation au profit de 50 journalistes sportifs et présentateurs de journaux et programmes télévisés pour promouvoir la performance des médias sportifs nationaux. Le ministre de la Communication, Mohamed Yagab, l'a présidé. Dans son allocution, il a affirmé que la formation était un processus continu et ininterrompu dans toutes les spécialités compte tenu des évolutions enregistrées dans tous les domaines de la vie, y compris le travail médiatique, du développement des moyens utilisés, mais aussi de la multiplicité des difficultés et des multitude de publics. Transition toute faite pour parler d'actualité sportive avec vous, Hamza, à l'harmonie, une actualité marquée par cette première sortie médiatique du nouveau coach des Verts, Vladimir Petkovic. Il a signé son contrat d'ailleurs aujourd'hui. Tout à fait, Sofiane Saouli, bonsoir. Vladimir Petkovic, qui a signé son contrat donc dans la matinée jusqu'en 2026 avec la Fédération algérienne de football en tant que sélectionneur national. Et dans l'après-midi, il a effectué sa première sortie médiatique. Le successeur de Jamel Belmadi a évoqué plusieurs points importants. Le premier concerne ses ambitions avec la sélection nationale. Je vous propose de l'écouter. On a une équipe qui est bien soudée et qui a de grandes possibilités sur le plan sportif. Je demeure très positif et je compte arriver avec cette équipe à faire un très grand travail et à parvenir à de grands résultats avec l'aide évidemment de ceux qui vont m'aider à obtenir ces résultats. Ce qui est important pour moi, c'est de miser sur l'équipe, sur sa cohésion, et sur la solidité de cette équipe comme entité et pas comme individualité. Comme dans tous les processus, on commence toujours par des succès et parfois on peut aussi arriver par des échecs. L'essentiel à présent, c'est de pouvoir fermer une porte qui a déjà été fermée par mon arrivée. Il est important de repartir à zéro et de faire en sorte que ces joueurs fassent à un peuple algérien qui attend beaucoup de lui. Et vous avez donc sans doute constaté, Sofiane, c'était la traductrice qui traduisait donc les propos de Vladimir Petkovic, qui ne maîtrise pas encore le français, il parle italien, et Petkovic qui a donc déclaré aussi qu'il comptait repartir à zéro, mais d'une manière positive avec les Verts, sans pour autant remettre en question le bon travail effectué par son prédécesseur, Jamel Belmadi. On l'écoute. Non è partire di zero in maniera negativa.
Quand je dis partir à zéro, ce n'est pas partir à zéro de façon négative, mais de façon positive. L'équipe nationale est parvenue à de grands résultats durant ces dernières années et je crois que l'important maintenant, c'est de pouvoir continuer sur cette lancée. Ma préoccupation à présent est de savoir ce que j'ai en termes de possibilités au niveau des joueurs, ce dont je dispose en tant que joueur. Je connais beaucoup de joueurs, j'ai suivi la Coupe d'Afrique, mais une chose est de voir de loin, et c'est une autre paire de manches d'avoir un contact direct avec ces joueurs. L'important, c'est de faire en sorte de pouvoir vaincre, de pouvoir battre nos adversaires et d'arriver à des résultats positifs. C'est le travail qu'il me reviendra de faire avec les joueurs, mais aussi avec ceux qui m'aideront sur le terrain. Et juste après la conférence de presse, Vladimir Petkovic, en compagnie donc des responsables de la FAF, a visité le stade Nelson Mandela de Bagari, qui va abriter les rencontres de l'équipe nationale algérienne la fin du mois de mars, lors du tournoi international de la FIFA. C'était Hamza Mahmouni pour la page sportive de cette édition. On ne saurait clore ou retourner les pages de ce journal sans aller à l'Opéra d'Alger, Boualem Boussaïah, où se tient ce soir l'avant-première du film consacré aux martyrs de l'Algérie. Al-Harbi Ben Mehdi sur place, on retrouve Salim Brahimi. Salim, bonsoir. Salim Brahimi qui va assister pour nous et couvrir bien évidemment cette projection, cette avant-première du film consacré aux martyrs de la révolution algérienne, l'Arabi Ben Mehdi. Salim Brahimi, bonsoir. Bonsoir Sofiane, c'est une projection d'un film événement très attendu par les passionnés de cinéma, mais pas seulement ceux qui aiment découvrir l'histoire de notre glorieuse guerre de libération, de notre révolution à travers le 7e mars. Donc, la salle, je peux vous le dire maintenant, elle est archi grande. Il n'y a plus de place. Donc, de gens qui ont afflué de passionnés pour découvrir le long métrage dédié à l'Arabi Ben Mehdi. À l'instant même, un point de presse a été animé par le réalisateur Bachir Drahi, le ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, et le ministre des Moudjahidine, Haider Biga. Donc, le réalisateur est très content de que son livre voit son long métrage voit enfin le jour. Et nous avons aussi rencontré l'acteur Khaled Ben Aïssa, qui est très fier d'interpréter ce film. Donc, ce film, l'on rappelle, c'est un biopic qui retrace le parcours de l'Arabi Ben Mehdi. Il a une durée d'1h55 et il nous fait découvrir à travers un voyage cinématographique la vie de ce héros emblématique. Donc nous attendons quelques minutes qui nous séparent de la première projection de ce film qui sera bien évidemment projeté tout au long du territoire national très prochainement. Ça vient de la chance, Salim Brahimi, de découvrir ce nouvel opus, ce biopic consacré aux martyrs de l'Algérie, Al-Harbi Ben Mehdi. On aura bien évidemment à y revenir dans nos prochaines éditions. C'est ainsi que prend fin cette édition, celle de 19h, réalisée comme tous les soirs de la semaine par Sidali Toubal, Lila Ouissi et Selma Feghir. Tout de suite, pour compléter le tableau, Rajal Mesoudi pour les prévisions météo à 20h. Vous retrouvez Najib Idriss pour le premier flash de la soirée.